toujours eu la maladie de draguer. T'as déjà tout fait, tu veux te poser. T'as vu cette fille, t'as flashé, t'as charmé. T'es resté bouche bée, sans même lui parler. Tu penses que c'est tout fait, sans même la connaître. Tu dis c'est elle sans hésiter. T'es sûr de toi, malgré que c'est la première fois que tu la vois. Elle ne te voit pas, mais tu y crois. Alors tu donnes à fond pour la revoir. Tu débrouilles pour avoir son numéro de portable. Tu le parles, tu fais tout pour la voir, mais elle peut pas car elle est accompagnée. Le temps passe vite, t'arrives toujours pas à l'oublier. Donc tu l'appelles, de temps en temps prends des nouvelles. Elle te dit qu'elle s'est séparée, qu'avec aucun que mais elle veut de RDV. Malgré qu'elle a été très touchée par tes sentiments dévoilés, elle veut pas se précipiter, donc tu patientes. Fais de plus en plus connaissance, et jamais en face à face, donc tu attends ta chance. T'as vraiment cru rencontrer l'amour? Des illusions. Dans un bar, tu lui parles à la va-vite. Tu sais plus quoi dire. Tu es meilleur que d'habitude avec les meufs. Ça n'a jamais été compliqué. T'es du genre à bloquer. Allez, 5 meufs par soirée. T'es du genre pas timide, mais elle t'intimide. Tu perds tes moyens et pris par ta timidité. Tu penses à déranger ses amis et de sa soirée. Le lendemain par téléphone, vous vous reparlerez. Allô, ça va ou quoi? Elle te trouve charmant et sympa, mais ça en restera là. Pour l'instant elle est toute seule et pense que c'est mieux comme ça. Et là une jolie voix te dira que... T'étais sûr de toi, mais je ne te veux pas. Même si ton regard m'a vraiment troublée.